30e jour. Parce que, vous savez, c'est le dernier dimanche du mois. Et plus que deux mois. Novembre qui commence mardi. Et puis décembre. Et puis c'est fini. Non. Nous devons refuser. Toutes les promesses qui sont les nôtres, nous devons les avoir. Parce qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Deux mois, c'est beaucoup de temps pour notre Dieu. Parce que lui, il est un Dieu de tout à coup. Un Dieu du subitement. Crois encore et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Notre thème de ce jour, c'est Dieu regarde au cœur et non pas aux apparences. Ce qui intéresse Dieu, ce ne sont pas les apparences. Parlez doucement, que mon Dieu vous bénisse. Ça n'est pas ça. Dieu ne regarde pas ce qui frappe le Dieu. Dieu regarde à quoi? Au cœur. Alors il va nous dire aujourd'hui, c'est quoi le cœur de lui? Plus de 800 fois dans la Bible, le mot cœur est cité. Le cœur de l'homme est tortué. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Je mettrai mes paroles dans la nouvelle alliance dans mon cœur. De quel cœur est-il question? S'agit-il de ces muscles, de cette peau passante? Ou, dans le langage de Dieu, si tout nous, peuple, nous avons compris que Dieu a un langage qui ne ressemble pas au langage des hommes. Quand Dieu dit cœur, nous devons chercher non pas à savoir c'est quoi cœur dans le dictionnaire. Non. Là, on va connaître le cœur selon l'homme. Il est question que Dieu n'aime pas sa parole ou pas. Parce qu'il dit que ce qui l'intéresse chez nous, chez toi, ce sont le cœur. Voilà même quand il parle d'un roi, le roi David. On va parler un petit peu de son départ, c'est comme on va lire. Il dit qu'il est l'homme selon quoi? Le cœur de Dieu. Amen. C'est quoi le cœur de Dieu? C'est quoi le cœur? Et puis quel type de cœur Dieu nous veut-il? Il dit qu'il les regarde dans le cœur. Quel regard? Pourquoi Dieu regarde-t-il au cœur? Voilà un peu quelques questions auxquelles le Saint-Esprit va nous aider à avoir quelques réponses aujourd'hui. Et en introduction, alors je vous demande de tourner nos Bibles dans le premier livre de Samuel, au 16e chapitre. 1 Samuel, chapitre 16e. On lit un très long passage, on va lire deux passages. Le premier, c'est celui-là, dans le 13 chapitre, on va lire un verset, dans le 3e ordre. Donc on peut caler un doigt, un papier, pourquoi qu'on perd du temps. Dans l'Épître aux Hébreux, on lira au 10e chapitre. Mais ici, on va commencer notre lecture par le 16e chapitre du premier livre de Samuel, les prophètes. Dieu regarde au cœur. Dieu aime le cœur. Alors comment, c'est quoi le cœur? Et quel cœur te veut, quel cœur je te veux? Nous disons? Alors j'ai lu la parole de Dieu au nom de Joshua. Il est écrit ceci. 16e chapitre, 1er verset. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté enfin, qu'il ne règne plus sur Israël. Vous savez, quand tu refuses quelque chose, n'existe pas. Remplis ta conduite et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Isaïe, ici, il est question du père de David. Le Bethlehemite, c'est-à-dire habitant de Bethléem. Car j'ai vu parmi ses fils, il en avait 8. Le cadet, c'était David. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ça m'a dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Mais quand Dieu te dit de faire quelque chose, n'aie pas peur. Ce que toi tu dois voir, c'est est-ce que c'est Dieu qui dit? Tu amèneras avec toi une génisse. Génisse, le jeune, je pense, d'une vache ou d'un bœuf. Et tu diras,
Isaïe au sacrifice. Et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Qu'est-ce que Dieu dit? Je te ferai connaître. Parfois nous sommes pressés. Dieu n'a pas, Dieu a dit, vas-y, je te ferai connaître. Et nous allons voir comment est-ce que Samuel s'est comporté. Alors qu'il est prophète. Et tu aideras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla avec là. Les anciens de la ville accourus, effrayés, au-devant de lui, dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens offrir, et je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Elia, est-ce que Dieu lui a dit que c'est Elia? Dieu lui a dit, je te montrerai. Lorsqu'ils entrèrent au sixième verset, il se dit, en voyant Elia, certainement, l'œil de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où? Au cœur. Isaïe appela Aminadab. Ça, c'est le second fils d'Isaïe. Et il le vit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Parce qu'il n'a pas encore parlé. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun Dieu. Puis Samuel dit à Isaïe, sauce là tous les fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des yeux bleus et une belle figure. L'Éternel dit, voyez maintenant, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama, parole du Seigneur. Amen. Tout notre livre aussi, on va lire un verset dans l'Épître aux Hébreux. Il y a beaucoup de versets, mais c'est très important. 10e chapitre, verset 22e. Hébreux, chapitre 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure par le Seigneur. Attends-moi très fort pour la parole. Amen. Je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de peine à cerner le thème que le Seigneur voulait qu'on donne à ces messages aujourd'hui. Parce que le thème est important. Je mettais un thème, je croyais celui-là, jusque ce matin, qu'il me dira mesure-là. Parce que, à un moment donné, je voulais mettre une question que le Seigneur nous pose. Quel est l'état de ta conscience maintenant où tu es ici? As-tu une bonne conscience ou une mauvaise conscience? On va en parler et je vais nous dire pourquoi. Amen. C'est très, 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 très important, je l'ai dit tantôt, beaucoup de fois dans la parole de Dieu, dans la Bible, il est question du cœur. Le cœur de l'homme, le cœur selon Dieu, intéresse beaucoup Dieu. Il y a beaucoup de passages. Et nous voulons aujourd'hui savoir c'est quoi le cœur. Et alors, du second
Le cœur, selon Dieu, c'est ça. Mais c'est lui que tu as. Au repos aux attentes de Dieu. Voilà deux choses importantes auxquelles ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous donne à chacun d'entre nous une réponse précise. Probablement qu'il ne reste que, si je ne me trompe pas, 9 dimanches. Et nous sommes en 2023. Et moi, je reste persuadé que si chacun d'entre nous ici fait ce que Dieu dit, rien n'est impossible à ce que tu crois, à ce que Dieu dit. Amen. Parce que nous le voyons ici. Même Samuel. Samuel lui-même, qui est déjà ici en plein ministère, qui avait déjà un roi, Saül. Dieu lui dit, lui donne une mission. Il part et il a failli commettre une erreur. Heureusement que c'est une personne qui ne souffre pas d'oreille. Parce que quand Dieu l'a décrit, lui a dit non, c'est pas Mirada. C'est pas d'abord qui ça. Elia. Comment Dieu lui a dit? Parce que j'ai dit ici, nous devons avoir les oreilles spirituelles pointues. Nous devons être capables de saisir ce que Dieu nous dit. Nous devons être capables de comprendre surtout comment Dieu parle, à qui il parle. Regardez cet homme qui au début, 1 Samuel, le 3e chapitre, Dieu pouvait lui parler, il ne comprend pas. Mais il a grandi spirituellement. Même s'il a failli commettre une erreur, on dit Dieu lui dit et il a compris. Juste parce que Dieu lui a dit, c'est un tel. Mais regardez que lorsque Dieu lui a dit un tel, il pouvait être caché dans la forêt. Il pouvait être négligé même par ses parents. Quand Dieu dit que c'est toi, c'est toi. Amen. Vous savez, lorsque Dieu, tout ce que nous devons chercher, nous, c'est que nous soyons le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu pointe, même si tes propres parents t'ont oublié, même si le monde ne te donne aucune chance, même si, parce que nous, il est dit ici, pourquoi? Parce que notre message tourne autour du 7e verset. Verset 7e du premier livre, il dit, je n'ai pas choisi Eliab, je l'ai rejeté, parce que moi je ne suis pas comme un homme, je l'ai dit avec le mot. L'homme regarde aux apparences, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde, il faut qu'il voit, parfois, une assemblée d'une certaine manière pour savoir que Dieu est là. Non. Dieu peut être là. Dieu est là où il y a des vrais adorateurs. Amen. Voilà pourquoi même quand il parle avec Abraham, il dit si je trouve ne fût-ce que quelque juste, je ne frappe pas. La quantité est bonne. Mais ce qui compte surtout chez Dieu, c'est la qualité, c'est l'envie. C'est que lui apprécie. Quel est le contexte de ce passage? Je sais que, comme nous sommes le lecteur assidu de la parole, c'est un des passages les plus connus. Saül est roi du peuple de Dieu. Mais à cause d'une désobéissance, Dieu rejette cet homme. Et Dieu décide de le remplacer. Et dans tout ce que Dieu fait, c'est toujours un cheminement. Il y a un procédé. Dieu n'agit pas comme ça. Il y a toujours des étapes. Il y a un schéma. Même lorsque Jésus nous apprend à prier, il y a un schéma pour faire une prière. Il y a des choses, nous devons chercher à comprendre comment, quelle est la méthode de Dieu. Comment Dieu veut que nous puissions faire des choses. Grosso modo pour l'élection. Quand Dieu a choisi un roi, c'est d'abord le prophète de Dieu qui devait faire une cérémonie pour aller loin de lui. Alors Dieu dit à cet homme, le prophète Samuel, vas-y, va à Bethel. Il part. Il arrive, nous avons lu l'histoire, jusqu'à ce que le choix de Dieu est arrivé. C'était la vie. Amen. Mais la clé de ce passage, c'est ce que nous avons lu dans le verset 7e.
C'était lorsque Dieu dit, moi je n'ai pas un regard comme celui des hommes. Moi je n'agis pas n'importe comment. Moi je regarde où? Au cœur. Et ce que nous devons chercher à connaître, parce que toi tu veux aussi être un choix de Dieu. Moi je veux être un choix de Dieu. Moi je veux que Dieu pointe son doigt sur moi. Alors quand Dieu va me regarder, la sélection de Dieu, il l'opère en regardant au cœur des gens. Et c'est pas le cœur. Amen. C'est quoi un homme le cœur? Vous savez? Lorsque nous lisons à maintes reprises la parole de Dieu, il y a beaucoup de passages par rapport à ça. Matthieu, 15e chapitre, je crois, verset 22e. En tout cas, on connaît nous tous ces passages. C'est Jésus qui parle. Il dit, ce peuple, mon homme, est quoi? De l'être. Mais son cœur est quoi? Aimerait de moi. Pourquoi il dit ça? Lorsque nous lisons, par exemple, le même Paul ici, il parle aux Galates, 4e chapitre, verset 6e. Il dit, Dieu nous a fait don de son esprit, et il a placé l'esprit de Dieu où? Dans le cœur de l'homme. Et c'est cet esprit-là qui fait que lorsque tu l'as reçu, tu es capable de reconnaître et crier Abba, Père. Amen. Donc en d'autres termes, moi et toi, maintenant présentement, comme nous sommes ici, il y a moi que vous voyez ici, mais il y a une moi que vous ne voyez pas. Amen. Vous savez, lorsque nous regardons tous les dimanches à l'église, ce que nous voyons là, c'est ce qu'on appelle en psychologie les mots officiels. Vous savez, si quelqu'un rentre ici, partout tatoué avec eux, on va même chercher les, même s'il est bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas de look. Il y a chaque personne, comme nous sommes ici, il y a ce que nous sommes publiquement. Il y a ce que nous sommes en privé. Et il y a ce que nous sommes réellement. Amen. Ce que nous sommes publiquement, c'est ce que nous affichons dans des manifestations publiques. Là où il y a des gens. Là où il y a. Là où lorsqu'on est à l'église, tout le monde il a sa Bible. Tout le monde est. Quand il faut prier, même ceux qui ne prient pas, il faut savoir les prier. Même ceux qui sont, même celui qui a un problème, qui dit que moi aujourd'hui, je veux me venger. Mais quand on est à l'église, tu regardes comme ça. Mon frère, ma soeur, ça va, mais ça ne va pas. Parce qu'il y a un moi extérieur que nous voulons afficher, qui est très hypocrite. Amen. Il y a un moi privé que nous présentons lorsque nous sommes dans notre cercle familial, d'amis, d'intimes. Et il y a un moi réel, connu de nous-mêmes et de Dieu. Je vous ai déjà raconté cette histoire. C'est un dimanche. Vous savez, la plupart des pasteurs, ils aiment bien que parfois quelques diacres, quelques frères et sœurs de l'église viennent les chercher à la maison pour la venue au culte. Touche pas au volant. On a vu dernièrement qu'on a été au deuil. Il est là. Et puis il y a un dimanche, ils sont les diacres, ils attendent le pasteur. Et tout d'un coup, ils voient la porte de la maison qui s'ouvre. C'est la grande Bible du pasteur qui vole dans l'air. Dans la cour, c'est qui? C'est mon pasteur qui a jeté. Et qui dit, qui renvoie les diacres, allez, partez! Cet homme que vous voyez devant vous à la chaîne, c'est mort ici. Amen. Pourquoi? Parce que il y a un moi visible. Il y a un moi physique. Il y a ce que nous sommes, que les gens connaissent. Et il y a ce que nous sommes en réalité que Dieu connaît.
La plupart d'entre nous ici, on travaille beaucoup, beaucoup pour soigner le moi et les autres. On travaille sur tout. On est ça. Vous savez, je ne dis pas ça négativement, d'une manière à me moquer des mamans. Hein? On voit, je parle un langage spirituellement. Nous passons souvent très bien maquillés. Combien de fois, j'ai déjà parlé ici, parfois quand je regarde aussi, parfois sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que parfois une dame qui se sert même très moche, qui montre sa figure comme elle est, comme une montre, et puis qui prend des machins là, c'était bien comme une montre. On est maquillé, mais Dieu regarde au-delà du maquillage. Amen. Dieu regarde, pourquoi? Parce que l'apôtre Paul est précis par rapport à ça, dans beaucoup de passages. Il est dit que nous avons ce qu'on appelle un homme intérieur. L'homme intérieur. Il est dit, par exemple, même si mon homme extérieur physique, celui que l'on voit, celui qui paraît, cet homme-là n'intéresse pas Dieu. Voilà même pourquoi est-ce que ça va le voir, on va toucher les deux passages. Très souvent, c'est dans la posture que les gens voient. C'est cette posture-là que nous voulons présenter à Dieu. Ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Dieu ne sait pas ça qui. Voilà pourquoi, très souvent, quand Dieu est en train de faire son élection, parfois ça ne tombe pas sur nous à cause de ça. Et c'est ça la première question que je me pose ici. Est-ce que le vrai toi, le vrai moi que je vous présente ici, est-ce que c'est celui que je suis en réalité? Est-ce celui-là que Dieu connaît? Est-ce que le moi extérieur, le moi physique, naturel, qui nous prêche ici, ou le tien qui vient à l'église, est-ce que c'est réellement le vrai moi que Dieu connaît? Parce que celui qui intéresse Dieu, c'est celui qui est caché. C'est l'homme intérieur. Parce que c'est celui-là qui est plus important. Savez-vous pourquoi? Il est plus important parce que c'est du fond de celui qui est à l'intérieur que la bouche parle. Tout ce que. Vous savez, un homme mauvais, hein? Un homme méchant, il a beau le maquiller. Un jour, la personne fait quoi? Il la reviendra. C'est l'homme intérieur qui dicte l'homme extérieur. C'est l'homme intérieur qui doit être le plus travaillé possible. Voilà pourquoi parfois même quand Dieu nous dit que nous devons déchirer nos habits, quand il parle, c'est un langage pour nous dire que cesser de travailler comme nous sommes en train de le faire, notre parure que les hommes voient. Nous voulons plus paraître qu'être. La plupart d'entre nous ici, nous sommes dans le paraître. Je vais à l'église pour qu'on voit. Je prie pour qu'on sache. Je prie. Nous devons faire ces choses-là pour que Dieu sache. Amen. Même si le monde se moque de toi, on voit David, même son propre père, il a 8 gosses. Il a pris très généralement dans la famille, le frère Aaron essaie de faire quelque chose, c'est le cadet qui est le plus protégé. Regardez même Pedro qui va avoir 14 ans, dans un peu plus de 2 mois. Mais tout le monde le connaît comme un bébé. Pourquoi? Parce qu'il est le cadet. Mais regardez que dans cette famille-là, c'est le cadet qui devait aller garder les moutons en mouche. À tel point que le prophète dit à Isaïe, son père, est-ce que c'est tout ce que tu as? Tellement il avait négligé, il a encore encore. C'est comme s'il avait oublié son fils. Alors que c'était le jeune Dieu. Alors que cet homme-là, là où il était, lui travaillait pour plaire au cœur de Dieu. Amen. Nous devons savoir que tout ce que j'ai dit, voilà pourquoi cet homme intérieur, cette parure intérieure, c'est celui-là que Dieu appelle notre cœur. Voilà pourquoi, je l'ai dit tantôt, Hébreux, Galates 4, chapitre 4, verset 6e, il dit qu'il nous a fait don de son esprit dans notre cœur. Et le même cœur, pour que nous puissions sachez qu'il ne s'agit pas de ce muscle. Il y a un chant ici que nous chantons très souvent. Tu lui dis de quoi? De mon cœur. Donc ce cœur-là, lui, il a les yeux. Ce cœur-là, il a les yeux. Ce cœur-là, il a la bouche pour pouvoir crier à ma paix. Ce cœur-là, il doit être circoncis. Il est dit, notamment au Galates. Ce cœur, le cœur, selon le langage de Dieu, c'est notre moi spirituel, notre être
intérieure. Vous savez, si Dieu pouvait mettre à nu, il pouvait nous opérer si chacun, tu le vois ou non, il l'ouvre. Si chacun d'entre nous ici pouvait être l'état de notre être intérieur, de notre homme intérieur, qui sera mon présent ici? Amen. Amen. Quel est l'état? Est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous sommes réels? Est-ce que ce que nous affichons, ne sommes-nous pas comme Elia? La forme extérieure, c'est que je suis grand. Je prie beaucoup. Je prêche beaucoup. Je chante bien. Mais lorsqu'on ouvre, Dieu regarde le corps des gars. Il dit, celui-là, je vais rejeter. Sommes-nous comme Shama? Qui es-tu réellement? Lorsque Dieu te regarde, parce qu'on dit que Dieu regarde, même dans le secret. Mais là où nous sommes en train de parler, où nous sommes en train de laisser ce message, qui es-tu réellement? Qui Dieu voit-il lorsqu'il te voit? Est-il en train de voir ce que nous voyons? Ou est-il en train de voir quelqu'un d'autre? Dorénavant, nous devons chercher à être. Chercher à plutôt paraître. Paraître, c'est quoi? C'est faire en sorte que le monde t'apprécie. Travailler plus sur nos apparences. C'est que je vais aller comme ça pour que peut-être on me voit moi à l'église et qu'on me dise de faire ceci. Oui, la Bible nous dit que c'est lui qui est comme ça, tu as déjà reçu ta bénédiction ici. Dieu ne peut pas nous donner les choses deux fois. Et il insiste beaucoup tous les travails qu'il nous recommande pendant les deux derniers mois de cette année. C'est que lorsqu'il la regarde, il nous regarde. Il regarde à cette personne cachée, invisible aux yeux des hommes, mais visible aux yeux de Dieu. Il dit, regarde, ça c'est mon choix. Il dit, non, j'aime celui-là parce qu'il m'honore, parce qu'il ne me lâche pas, parce qu'il est celui qui fait ma volonté. Vous savez, quand on dit l'homme sera le corps de Dieu, ça ne veut pas dire un homme qui n'a pas de faiblesse. Mais c'est un homme qui, même dans les faiblesses, il sait ce que Dieu recommande quand tu as faibli. Amen. Quand Dieu dit à David que tu es un homme selon mon cœur, David est un homme qui a même commis des homicides. Mais il sait, il n'est pas resté là. Après avoir commis cet homicide, nulle part dans la parole, on dit encore qu'il a fait la même chose. Toi qui prétends être comme David, tu dis, moi aussi, j'ai comme David, il a fait la faute. Mais la même faute là, tu l'as fait comme une fois. Amen. La même. Je ne parle même pas de faute nouvelle. Montre-moi deux fois dans la parole, dans la vie de cet homme, où il a fait deux fois la même chose. Savez-vous ce que ça voudrait dire, en quelques mots, devenir? Donc, les critères pour voir un mature spirituel. Un, c'est quelqu'un qui fait tout pour que sa vie plaise à Dieu, pour que sa vie se conforme à la volonté de Dieu. Mais lorsque ça lui arrive de trébucher, amen, lorsque ça lui arrive de trébucher, un, il le regrette amèrement. Il le regrette amèrement. Combien de fois il y a parfois des chrétiens, lorsqu'il a menti même pour qu'on ne coupe pas les courants, il croit que ça lui va comprendre parce qu'il se dit, on a le père quoi? Non! Tu dois regretter. Amen! Parce que le rêve pour un enfant de Dieu ne doit pas être un mode de vie. Ça doit être l'accident. Donc, l'accident, la première des choses, ce n'est pas Dieu, je vais confesser. D'abord, regrette. Voilà pourquoi dans une des béatitudes, Matthieu 5e chapitre, verset 4, il dit, heureux quoi? Les affligés, parce qu'ils seront consolés. Les gens qui regrettent. Mon Dieu, tu restes ce jour-là, tu as dit à l'agent que tu as déjà payé alors que tu ne l'as pas fait.
seulement envie de l'appeler pour lui dire, viens couper. Tu regrettes amèrement. Tu es comme Pierre. Tu dis non. Je me suis trompé. J'ai renié le maître. Et tu pleures amèrement. Même pleurer dans ton cœur. Amen. Nous devons être comme ça. Un. Vers la volonté de Dieu. Ça doit être ma quête. Deux. Lorsque je trébuche, je le regrette. Amen. Trois. Et puis je me remords. Quatre. Je fais tout pour ne pas faire la même chose. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui travaille son cœur. Combien de fois parfois nous prions, mon Dieu, aide-moi cet esprit. Pourquoi je dois toujours faire la même chose? C'est que tu es encore immature spirituellement. Tu es encore ce que, en langage théologique, on appelle un épios, un bébé spirituel. Or, aussi longtemps que l'héritier est immature, il vivra comme un esclave. Il va être victime des tuteurs. Il va dépendre des médecins. Il va dépendre des avocats. Donc les tuteurs, c'est qu'on dépend. Nous, nous ne devons pas dépendre des médecins, nous. Ça, ce sont des tuteurs. Nous, nous ne devons pas tomber malade. Mais encore faut-il qu'on puisse grandir. Qu'on puisse devenir le homme selon les cœurs de Dieu. Qu'on puisse sortir de la force. Et cela, comme je l'ai dit, l'homme selon les cœurs de Dieu, c'est l'homme qui travaille pour que son moi privé, son moi qui n'est connu que de lui et de Dieu. Parce que, vous savez, je dis bien de lui et de Dieu, il y a des choses qu'on cache même à celui qui est très intimate. Tu dis, ça, je ne le dirai jamais, mais Dieu connaît. Mais lorsque toi tu connais, que Dieu le sait, que même dans ton privé là, Dieu est là, travaille pour que ces privés là soient propres. Travaille, voilà même pourquoi est-ce que le sage Salomon dit dans Proverbe 4, verset 23, garde, protège ton cœur plus que quoi? Plus que toute autre chose. Le protéger contre quoi? Mais contre les souillures, contre tes déchets. Pourquoi? Parce que l'être intérieur, l'homme intérieur là, il a aussi des organes pour vivre. Il a aussi des organes. Et l'un de ces organes, c'est celui dont on a parlé il y a 3 semaines. Les oreilles spirituelles. Les oreilles spirituelles. Mais il n'y a pas que ça. Comme l'homme physique ici, pour vivre, pour percevoir la vie, il a des organes qu'on appelle les organes d'essence, n'est-ce pas? Il a le nez pour sentir, l'odorat. Il y a la langue pour goûter aux choses, déguster des choses physiques. Il y a la peau pour sentir. Si vous vous imaginez si vous n'avez pas, si tu perds le sens du toucher, hein, de la peau, mais on va se brûler tous les jours. Parce que c'est ça qui fait. Là, je vais. Quand ton toucher marche, tu touches pas, il ne faut pas que tu viennes de là, je vais brûler. Quand tu as les yeux spirituels, qui doivent être illuminés. On verra. C'est que c'est par la grâce de Dieu. Mais il y a aussi les oreilles spirituelles. Il y a pour déguster les choses dans le monde spirituel, il nous faut quoi? On va partager, je pense, ce mercredi. Il nous faut la foi. C'est la foi qui nous permet de goûter aux choses de Dieu. La foi est la langue spirituelle. Voilà pourquoi que on dit, quand on dit la langue peut tuer, donner la vie, la foi, sans foi tu es mort, mais avec la foi tu es vivant. Amen. Amen. Mais maintenant, il y a aussi l'intuition. L'intuition qui a aussi un sens spirituel. L'intuition qui nous permet parfois de sentir les choses sans savoir pourquoi. Ne va pas là-bas. Tous ces sens-là doivent être développés chez l'enfant de Dieu. Nous l'avons vu ici il y a quelques semaines, l'apôtre Paul, tout, rien n'empêche pour que le voyage vers Rome. Lui dit non, on ne part pas. On lui demande, il dit non, je le sens comme ça. Parce que c'est un sens spirituel. Lorsque tu as perdu lui, quand on ne parle, tu n'entends pas, n'est-ce pas? Lorsque tu as perdu la vue, les yeux, quand les choses passent devant toi, tu ne sais pas les contempler. Amen.
Il y a des choses, il y a des choses, les yeux d'ailleurs, ce n'est pas que pour voir, hein, c'est pour voir et pour regarder. Hein, donc, les yeux ne servent pas à voir. Hein, parce que c'est autre chose, on verra une autre fois. Mais je disais que quand on a parlé la fois passée des oreilles spirituelles, ce qui nous permet de recevoir la parole de Dieu, c'est notre conscience. Amen. Notre conscience, voilà pourquoi Dieu nous dit dans le second verset que nous avons lu, dans Hébreux, et il y en a beaucoup qui parlent. Voilà pourquoi même quand il parle à Timothée, je crois, 1 Timothée, chapitre 1er, quand il dit, verset 18-19, il dit Timothée, attention, fais attention à ta conscience. Pourquoi? Parce qu'il cite le nom d'Hyménée et d'Alexandre qui ont perdu. Qui n'ont pas su garder de conscience, ils ont fait naufrage dans le fond. Amen. Parce que, vous savez, quand Dieu, je sais que le temps avance, lorsque Adam et Ève commettent le péché, ils mangent le fruit interdit. Dieu dit, Dieu vient, quelle est la première question que Dieu leur a posée? Qui t'a dit que tu es nu? N'est-ce pas? Mais qui a dit ça? Si on me pose cette question, en fait, le diable, pourquoi est-ce que le diable vient dire? C'est la conscience. Amen. Parce que Dieu a placé en nous la conscience, parce que c'est dans la conscience que Dieu nous parle. C'est dans la conscience que Dieu parle même aux païens. Vous savez, même aux païens, lorsqu'il fait mal, il rigole peut-être parce que il nous dit ici, quand on s'approche, il devra avoir une bonne conscience. Nous verrons, par la grâce de Dieu plus tard, comment avoir cette conscience en paix. Ça veut dire une personne dont la conscience a été perturbée. La conscience qui est comme une sorte d'alarme pour nous indiquer, ah, là tu parles. Le problème, c'est que la conscience, c'est elle qui, quand tu fais mal, ce n'est pas quelqu'un qui vient, c'est, non, c'est la même conscience qui dit, ce que tu as fait là, c'est mal. Amen. Elle ne peut pas t'empêcher de faire le mal. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va t'empêcher de jouir du mal. Parce que tu vas commencer à rigoler, mais tu n'es pas bien. Parce qu'elle ne te laisse pas tranquille. Parce que c'est elle qui nous aide à ce que nous puissions aller à l'indépendance. Amen. En d'autres termes, il nous dit ici, travaillons à notre être intérieur, à l'homme intérieur. Mais lorsque tu viens auprès de moi, ça c'est Hébreux qui dit, 10, verset 22, il dit, pour avoir un cœur purifié, un corps entier, un corps que Dieu aime, il faudrait que ta conscience soit gardée bonne. Il faudrait que tu puisses tout faire pour que tu ne puisses jamais avoir des reproches de la part de ta conscience. Si chacun d'entre nous ici, nous sommes en train de tout faire pour que notre conscience ne nous reproche de rien, le cœur que nous aurons va plaire à Dieu. Amen. Si chacun d'entre nous ici ne cherche même pas à mémoriser les versets, non. Toi, pour reconnaître un verset, tu dois lire. Vous savez, les gens qui veulent paraître, on dit, qui a dit, demandez au Dieu, ah, c'est ça. Qui a dit ceci? Oh, moi, je connais ce que vous faites. Oui, c'est bien. Mais est-ce qu'en réalité, lorsque Dieu regarde avec la lampe torche, ta conscience, n'y a-t-il pas là du tout? Nous devons commencer aujourd'hui des rituels du mot docteur. Nous devons commencer à amener notre être intérieur au carrosse spirituel. Notre propre, la conscience de chacun doit être lavée, nettoyée, comme les Allemands disent, grundlich. C'est-à-dire que dans tous les coins et des coins, qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de dettes, qu'il n'y ait pas de choses que toi tu regrettes, parce que je dis la vérité, à partir du moment où on ne fait
pas de la seule chose que tout enfant de Dieu doit chercher à travailler, c'est mener une vie où ma conscience est calme. Amen. Même si ce que tu as fait, ça n'a pas plu aux gens. Mais tant que tu es calme, je t'ai quand même dit la vérité avec amour. Oui, c'est pas pourquoi. Ta conscience est comment? Elle est calme. Parce que la conscience, c'est notre alarme, notre boussole spirituelle. C'est ce que Dieu a placé. Toute personne qui fait cet exercice, qui travaille pour pas que sa conscience lui reproche des choses, cette personne-là est en paix avec Dieu et elle est en paix avec elle-même. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un comme David, rejeté par sa famille, méprisé par les hommes, caché dans la bouche, Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce que même quand les ours sont venus devant lui, Dieu a su préserver sa vie. Le même temps, il a eu des difficultés, de quelque manière que ce soit, Dieu l'a protégé jusqu'à ce que l'onction qui a failli être donnée à ceux-là qui n'étaient pas le choix de Dieu est revenue à celui qui avait tapé dans le cœur de Dieu. Amen. Dieu s'intéresse à cet homme que les yeux humains ne peuvent pas voir. Dieu s'intéresse à cet homme qui est caché en toi. Lorsque les gens te voient, t'apprécient. Oh, maman bonheur. Mais est-ce que si on ouvre ton cœur, on voit le bonheur? Lorsque Dieu t'apprécie, parce que parfois on fait des choses par intérêt, pour séduire. Parfois on fait des choses pour qu'on parle de nous. Non. Faisons des choses pour que notre conscience soit tranquille. Alors nous avons la parole de Dieu. Que Dieu bénisse à toi. Merci. Merci, bonne soirée.